dragon, resté intact jusqu'à nos jours. Il fut conçu et pensé par Jacques de Vienne lui-même, pour recevoir les restes de son père, Pierre le Grand, ainsi que ses propres restes et ceux de son épouse, la reine Blanche d'Anjou. Ce sont deux pièces artistiques d'une valeur exceptionnelle, et aussi les premières tombes royales de la couronne d'Aragon, taillées selon le style gothique, bien qu'elles soient de styles différents. Celle de Pierre le Grand combine des éléments provenant des tombes impériales siciliennes, avec le premier style.